Mevarchin. C'est quoi Shabbat Mevarchin? Shabbat avant Rosh Chodesh. Mais quel Rosh Chodesh? Hein, quand on dit quel Rosh Chodesh, on rigole. Pel et Plaim. Chodesh, Adar, le vrai. Adar Bet. Sur lequel il a été dit, Mishé Nichnas Adar, Marbim Besimcha, Motsae Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi quand on dit Adar, on est heureux? Pourquoi? Parce qu'il y a Pourim. Pourim, c'est la Simcha. Pourquoi? Bevadai, que... Comment dire ces choses-là? Parce qu'on va parler un peu de choses profondes. Ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre, c'est quoi la Simcha? D'où provient la Simcha? Et pourquoi le mois d'Adar doit éveiller une Simcha? Il éveille une Simcha. Pourquoi Pourim, on est tellement sa mère? Chas v'shalom de croire que parce qu'on boit à Deloyada, à son est sa mère. Si on fait un Pourim un autre jour de l'année, on fixe un petit Pourim ensemble comme ça, et on boit à Deloyada, je ne pense pas qu'on aura la même Simcha qu'à Pourim. Je suis sûr même de l'inverse. C'est Pourim. Alors, qu'on n'avait pas à croire que la Simcha de Pourim, c'est parce qu'on boit, c'est parce qu'on se déguise, c'est parce qu'on fait la fête. Ça, ça peut être la Simcha qui est la Simcha même qui peut être dangereuse, négative. Comme dans toute chose de Kedusha, il y a la Touma. La Simcha peut se transformer très vite en Vela Simcha Mazuosa, comme il dit Shlomo HaMelech. C'est quoi la Simcha? Qu'est-ce que c'est la Simcha? Dans un sens qui n'est pas positif. La Simcha, ça ne sert à rien. Et il y a la Simcha des Moadim, mais ça marta bechagecha, baita achsamer. Il y a la Simcha positive, il y a la Simcha négative. Mais vadaï que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne le mois de Hadar et qu'il nous dit une halakha, que Mishinichnas Hadar marbim besimcha, c'est qu'il y a ici de la Kedusha. Et il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette Simcha-là. Même pourquoi cette Simcha arrive au mois de Hadar? Le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. On a Elul au niveau de Chodashim, de quand l'année commence par Tishrei, mais on a une année qui commence par Nissan aussi. Sur quoi il a été dit Rosh Chodashim? Pas sur Tishrei dans la Torah. Il a été dit sur Nissan Rosh Chodashim. Donc, Hadar, on rentre là dans le dernier mois de l'année. Pourquoi Dafka, dans ce dernier mois de l'année, il y a Pourim? Pourquoi le dernier mois de l'année, il a été dit sur lui? Mishinichnas Hadar, Marbim Besimcha. Il nous dit, ici un grand yesod, le Rav Pinkus Alav Hashalom. Qu'est-ce que c'est la Simcha? D'où elle provient? Quand on est mis de bonen, dit le Rav, on verra. J'ai réfléchi comme ça avant le cours, pour voir si c'est... Réfléchissez, vous allez voir. Que la Simcha provient d'une force qui s'appelle la Itrachut. Le renouvellement, la nouveauté. Toute chose qui est nouvelle, toute situation qui est nouvelle, procure de la Simcha chez l'homme. Quand deux Bnei Torah ils se parlent, deux amis se parlent, il dit, dis-moi un Dvar Torah. L'autre, il lui dit, oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier jour, il a créé ça, deuxième jour, il a créé ça, troisième jour, il a créé ça. Tout ce qui est écrit dans Bereshit, les psukim. C'est à ça qu'il s'attendait. Et pourtant, ça ne s'appelle pas un Dvar Torah. C'est un Dvar Torah, non? Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim et Haaretz. Toi, Dvar Torah, donne-moi un hidouche de moi. Bah, tu me dis Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim. Ah, mais tu ne m'as pas dit, tu m'as dit un Dvar Torah. Un Dvar Torah va kasha, Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim. Zet Dvar Torah, kepshuto, c'est tout dans la Torah. Ça ne procure pas de simra. Un hidouche.
un nouveau pirouche, un nouveau pshat, une petite gematria là dans la paracha, t'as pas va y a quel zé, le vav, tu prends le kouf, tu sais, ah pshou, donne-moi un hidouche. Ça procure de la simcha. D'ici le rav, les enfants, quand ils voient dans la rue une voiture de pompiers, ils courent tous derrière la voiture. Pourquoi ? Il n'y a pas de pompiers qui rentrent dans la rue. Et des voitures ! Ça, ils ne courent pas derrière la voiture. Mais des pompiers, comme il n'y en a pas toujours, c'est nouveau. Ça procure de la simcha chez les enfants. Nouvelle situation. Regarde ce qui se passe. Mais mettre la simcha, ça vient du quoi ? Du chidouche. Comme ça, il dit le kolbo sur la bracha qu'on fait dans Shavu Brachot. Shasimcha bimono. Une des brachot. Shasimcha bimono. Que la simcha se trouve dans ces ma'on. Ma'on d'Hachem. Hein? Dans sa demeure. La simcha se trouve dans la demeure d'Hachem. Pourquoi dans la demeure d'Hachem et de la simcha ? Il dit le kolbo. Parce qu'à chaque instant, dans le ciel, sont créés des malachim hadashim. Chaque instant, il y a des nouveaux anges qui sont créés. Ce renouvellement qui existe à chaque instant, c'est la simcha qui existe dans la demeure d'Hachem. Le renouvellement, la itrachut. Et Behemet, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est sa mère. Comme dit le pasuk, va'ei etzlo sha'ashu'im. De quoi Kadosh Baruch Hu il est sa mère ? On ne peut pas comprendre ça, c'est quelque chose de profond à comprendre. Mais Chazal nous disent, qu'est-ce qui procure à Hachem de la simcha ? Quoi ? Kadosh Baruch Hu il est mishtaché à toute la journée avec quoi ? Avec la Torah Kadosha. La Torah procure chez Hachem Yitbarach, on ne peut pas comprendre, c'est juste pour que, c'est dit dans nos mots à nous, pour qu'on ait une idée, que la Torah procure chez Hachem Yitbarach de la simcha. Je t'en marche, Moulin. Les hidushim de la Torah. Même, regardez. Quelqu'un, il dit un petit hidouche, comme j'ai dit tout à l'heure. Il dit un petit hidouche. Ça te rend plus amer que si jamais il te dit une gemara, un mahalach, quelque chose de profond, un tosfot. Il te dit un tosfot. Un tosfot, il procure moins de simcha qu'un petit hidouche. Un petit hidouche qui n'est pas tellement géoni, qui est beaucoup moins intellectuel, qui demande beaucoup moins d'approfondissement qu'un tosfot. Il procure de la simcha plus qu'un tosfot. Pourquoi ? Le kohar du hidouche, c'est lui qui donne la simcha. Top ! Maintenant, ça va encore plus loin. Le passo qui dit « Azimale sechokpino ». C'est quoi « Azimale sechokpino » ? Ben, Zat Hashem, l'atid lavo, quand on sera dans le Olam Abba, pas le Gan Eden, le Olam Abba, c'est après le Gan Eden, Azimale Shok Pino. On a une nouvelle notion. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Simha. Maintenant, on parle de Shok. C'est quoi la différence ? Il dit le Gaon Mivil, là. Il y a la Simha. Comment on traduit la Simha ? La joie. Et il y a le Shok. Comme par exemple, quelqu'un, on lui dit : tu as gagné au loto. Comment il réagit ? Ah, il saute. Oui, il saute. Ah, ah, ouais, ouais. Millionnaire, millionnaire, millionnaire. Il saute comme ça pendant combien de temps ? Combien de temps ? 2 heures ? 2 heures, il saute ? Ah, ah. Il a sauté pendant quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, et après, doucement, doucement, il arrive à l'état de simcha. Mais au début, ce n'est pas la simcha. Au début, c'est Srok. Srok. On lui dit à l'homme, t'es un garçon. Garçon. Okay. Après, il est né, Baruch Hashem. Il est sorti, il a vu une fois, deux fois, trois fois. Après le Srok, il passe au matzav de simcha. Après, quand il grandit, c'est autre chose. Mais au début, c'est Srok. Azimale shok pinu, shok c'est la... Comment on dit en français ? Aidez-moi. Shok. Pas simcha. L'euphorie, le réjouissement. Réjouissement. Il se réjouit, il se réjouit. Être sa mère, c'est un état constant.
Tzchok, c'est un état qui est momentané. Tzchok. Vous avez compris c'est quoi les deux notions? Il dit le Gaon de Vilna, Az yemale tzchok pinu. Lo simcha, dans l'Olam Haba, on ne sera pas sa mère. On sera tzchok. Un instant qui arrive dans, durant l'Olam Haba, un homme, il est malé tzchok. Il se réjouit, comment t'as dit le mot? Euphorique. Normalement, dans son Olam Hazé, l'instant d'après, un peu moins. Dans l'Olam Haba, l'instant d'après, à nouveau. L'instant d'après, à nouveau. C'est le Ensof, c'est l'infini. C'est ça la notion de l'infini. Dans l'Olam Hazé, tout est fini. Tout est limité. La définition du Olam Hazé, c'est la limite. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le sable, il a été dit sur le sable, Atkan, jusque-là, la mer. Zéro, Gvul. Gvul Samta Bal Yaravoum. Gvul Samta. Tu as mis une limite à chaque chose. Le Olam Hazé, tout est limité. Une grande chose, elle ne peut pas rentrer dans une petite chose. Ça, c'est limité, c'est le Olam Hazé. Le Srok, c'est sortir de la limite. Même parfois, on peut voir, Stam, je dis un exemple, mamachtré, tu vois une coccinelle. Coccinelle, c'est petit, c'est rouge, il y a des taches, c'est joli. Puis tu vois une coccinelle avec des taches violettes. Oh, regarde! Oh, waouh! Wow. C'est sa mère! Regarde! Tu sors du gvoul. C'est nouveau. C'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire, ça donne la simra. Si on analyse bien, j'ai déjà vu ça chez moi-même aussi, que même des matzavim qui sont des matzavim, des états qui sont pas forcément des bonnes choses, ça peut procurer la simra. Dès que ça sort de l'ordinaire. Même dans l'autre sens. Donc ça, c'est un peu profond. On va analyser, vous allez voir, c'est comme ça. On change du train-train quotidien. Il y a un nouvel état, nouvelle situation. Parfois même une épreuve, ça peut procurer de la simra. Nouveau Edgar, comment on va dire Edgar? Défi. Nouveau défi. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est ça la source de la simra. La simra est enracinée dans le chidouch. Très important de comprendre ça. Et ça, c'est le sort du Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, il est ensof. Il n'y a pas quelque chose qui limite là-bas. Étant donné qu'il n'y a pas quelque chose qui limite, chaque instant peut être un srok. Dans ce Olam Hazé, on ne peut pas être avec la meilleure des nouvelles, le meilleur des bonheurs, le plus bon plat qu'il peut y avoir, la meilleure des sorties. Elle ne peut pas procurer un srok constant. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut procurer ça. Pourquoi? Parce que ce monde est limité. Alors le srok est momentané. Et après, on peut passer dans un état de simra. Simra constant, mais même ça, avec le temps, ça disparaît. Celui qui a gagné au loto, ou celui qui est devenu... Là, il y avait les élections, là. Oh, c'était ici, à Givat Zev, entre les deux, très serré. Les pauvres, ils ont travaillé pendant 3 mois, 4 mois, la guerre, avant la guerre, après il y a eu la guerre, ça a décalé. 4 mois, 5 mois, ils ont travaillé dur, chacun pour avoir des colottes. Des voix. Qui va voter pour lui? Qui va voter pour lui? Qui va voter pour lui? Jusqu'à la dernière minute, personne ne pouvait parier qui va être gagnant. Personne. Il a été choisi, celui-là, il a été choisi à minuit ou à 2h du matin, je ne sais pas quand. Ils ont fait, c'est toi. Waouh, quel simra. C'est pas simra. Srok, champagne, la fête. Mazal tov, tous les taisés. Lendemain, sa mère. Il se réveille le matin, c'est le maire de la ville, nouveau maire. Après, là ça fait une semaine, Mistama qu'il est sa mère. Mistama. Peut-être qu'il découvre maintenant qu'est-ce que c'est être maire. Ah, voilà. Mistama. Dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est terminé. Peut-être qu'il voudra sauver de ce poste. Terminé. Parce que ce Olam Hazé, il est limité. Il ne peut pas y avoir de bonheur constant, en tout cas de srok.
Alors là, là-bas, il est illimité. Chaque instant, je te parle chez moi. Ça, c'est le inyan de la simcha. Et dit le Rav que le sod de la simcha, Bémet, comme on dit, comme j'ai dit au début, il ne faut pas croire que la simcha, c'est quelque chose de superficiel. Si la simcha est un corps qui existe dans le monde, il est enraciné dans la kdusha. Et où est la racine profonde, profonde, profonde de la simcha? C'est la Torah kdusha. Toute simcha du monde provient de la Torah. Puisque la Torah, c'est elle qui est la source de la nouveauté. Comment Kadosh Baruch Hu a créé ce monde? Istakel be'oraita ou bara alma? Ce monde-là, il n'a pas été créé avec des matières premières. Il y avait de la terre, il y avait des minéraux, il y avait du feu, il y avait de l'eau, il y avait de l'air. Et Akadosh Baruch Hu, avec les matières premières, il a créé, comme on crée une statue, comme on crée une maison, comme on crée, voilà, il crée des immeubles. Il faut des matières premières, ils sont en train de tailler la montagne, là. Ils prennent la terre, avec ça, ils vont faire des pierres, ils vont construire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé comme ça. Leur lamazé n'existait pas, même pas sous forme de matières premières. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a regardé dans la Torah. Dans la Torah, il a écrit Yehi Or. Kadosh Baruch Hu, il a dit Yehi Or. Pas le Or du soleil. Or Shivat Hayamim. Le Or qu'on verra Bezat Hachem bientôt. Il a vu quoi? Dans la Torah, qu'est-ce qu'il a écrit? Naase Adam Mitzelmet. Tac, ni Adam. Ça, il a pris la terre. Enfin, la terre, elle a été créée. Les animaux, ils ont été créés. De quoi? De rien. Yesh me'ayin. Yesh me'ayin. Bon, c'est pas quelque chose que notre cerveau il peut comprendre. Créé ex nihilo. Comment ça c'est? Yesh. Tu dis, c'est yesh me'ayin? Yesh me'ayin gamlo? Il y a quelque chose là? Il y a rien. Pitom, tu vas voir. Tac, quelque chose qui est créé. D'où ça vient? Elle vient d'où sa matière? De nulle part. De nulle part. Yesh me'ayin, il crée la matière première. C'est bel et plein. Où il y a ce corps-là? Dans la Torah Kdosha. Ça veut dire que la Torah Kdosha est la source de toute la création de ce monde. Yesh me'ayin, ça veut dire ce monde, il a été créé. Kulo hidush. Tout sera en l'âme kulo hidush et chal gadol. Et la itrachut, on a dit, c'est ça le corps de la simcha. C'est ça la force de la simcha. La reine, il dit le Zohar Kadosh, que chaque mot. Je dis la traduction. Kol mila ou mila pratit amit hadeshet mipi adam. Chaque mot qui sort de la bouche de l'homme de Torah. Kuchabrihu nashikla ou me'ater la. Kadosh Baruch Hu, il prend ce mot-là, il l'embrasse et il en fait une couronne sur sa tête de la Torah Kdosha. Venivna mimena olam hadash bifne atzmo. Il a été créé de ce chidouche de l'homme un monde nouveau. Chaque hidouche qu'un homme dit sur terre, il continue la création Yesh Me'ayin. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé ce monde. Nous, on regarde dans la Torah et on crée des mondes. Et on crée des mondes. Kar katou bezor Akadosh, il dit le Nefesh Haim. Umikoa hidouche Torah nivraim olamot hadashim. Hidouche Torah. C'est-à-dire qu'on continue. La bria d'Hashem Yitbarach, elle ne s'arrête pas, elle ne s'est jamais arrêtée. Kadosh Baruch Hu, il a fait le premier travail, il nous a créé, il nous a donné la Torah, et nous, quand on a la Torah, maintenant on étudie, on crée des olamot hadashim. Ça, c'est Asim Habim Ono. Dans le ciel, il y a de la itrachut, toujours du nouveau, toujours de la itrachut. Arshav, on arrive au dernier mois, ce soir, de samedi soir, Motse Shabbat, c'est Rosh Chodesh Adar, dernier mois de l'année, et on a là-bas la fête de Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Qu'est-ce que c'est pour eux? Pour Rim. Am Israël ont fauté gravement. Ils sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. Ils ont profité de la Seouda de Hachverosh. Ils sont devenus comme des goïms. Comme des goïms. Et il y a eu sur eux une xéra qu'il n'y a jamais eu depuis Briat HaOlam. La Shmid, la Arog ou la Abed. Et Koulam, Beyom Echad. Jamais il y a eu cette xéra. Pareil,
Et ils racontent que jamais il y aura une Xéra pareille, bien que c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ils le disent à voix haute. Ils le disent à voix haute, les descendants de Haman. En Iran, c'est des principes, non? Ils le disent à voix haute. Ils veulent exterminer Israël. Exterminer Israël. Ils n'y arriveront pas. Donc là, ça chauffe. À Israël, ils ont donné à Israël, l'État d'Israël. Ils ont donné à tous les terroristes une date limite. Là, maintenant, là, aujourd'hui, c'était ça. Oui, hier. Date limite. Deadline. Ultimatum. Jusqu'au 15 mars, on vous donne. C'est là, dans une semaine. 15 mars. Jusqu'au 15 mars. Si 15 mars, vous n'arrêtez pas là-bas le Hezbollah et tout ça, alors, on sort en guerre. Avec un programme de guerre. Jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, ils font ramener les habitants dans le nord. Kilo, c'est entre leurs mains, tout le mois d'août. Tu peux faire un programme et tout. C'est ça. 15 mars, là, dans une semaine. Tu t'abarches. Hein? Zahidouche, ça donne la simcha, ça bouge. Ah, qu'est-ce qu'il y aura? D'abord, toujours les mêmes informations. Là, c'est sérieux, c'est intéressant. La hidouche. Alcool panim. Am Israël, la xéra qu'il y avait à l'époque de Pourim, c'est pas une xéra. Sur une punition de ce qu'ils ont fait comme dans tous les temps. Ils ont fauté et on les punit. Et on se fauté, on les punit, ils font tchouva. Non, non, non. À Pourim, il y avait une xéra qui a été une xéra pas par Aman, par le Beddin Shelmarla. La xéra d'anéantir Am Israël, elle a été tamponnée, hotemet shel dam, par Beddin Shelmarla, par Hashem Itbarach, Chas v'Shalom, de faire disparaître Am Israël. Car nixar v'shamayim. Mordechai est venu voir Esther. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. Esther, elle a dit, Tsumu alai, al tochlu, al tishtu, shloshet yamim, laila vayo. On ne mange pas, on ne boit pas, 3 jours et nuit. Tout le monde, gamme les enfants, tout Am Israël. C'était Pessah, ils n'ont pas mangé la matzah, ils n'ont pas fait la lacède. Pikuach nefesh. 3 jours d'affilée, tout Am Israël, ils ont fait Taranit jour et nuit. Sak va efer yutzal arabim. Des tfilot, hanunim, tchouva, maze, comme il n'y a jamais eu. Kadosh Baruch Hu, bitel takzera. À Pourim, il y a quelques centaines d'années, milliers d'années même, on ne devait plus exister. On ne devait plus exister. On ne devait pas être là. Depuis longtemps déjà. Akadosh Baruch Hu Berov Rahama Vehasadav, il nous a fait Triat Ametim. Mamash. Pourim, c'est Triat Ametim. On est encore un peuple, Behesed Verahamim. On existe encore, Berov Rahama Vehasadav. Il a fait Triat Ametim. Dans Pourim, il y a aussi le sod de l'Aitratchut, le sod du Hidouche. Pourim, on est né à nouveau. Zeitratchut. Et pourquoi ça vient à la fin? Pessah, c'est le début. On est sorti d'Égypte. On a été choisi comme peuple. Yofi, très bien. 40 jours de la Sfirat HaOmer pour monter, Matan Torah. Ensuite, on a Rosh Hashanah Yom Adin. On fait Tshuva Kippour, Dvekut Asukot, Tov. Après, depuis, rien du tout. Un peu, on était dans l'obscurité en hiver. Il fallait la lumière de Hanouka qui nous donne un peu de... Et là, on arrive à la fin. La fin, elle est Messamel. Comment on dit Messamel? Hein? Symbolise. Elle symbolise. La fin symbolise la fin. La fin. La fin de la vie. La fin des forces. La fin. On arrive à la fin de l'année. Hazel Shalom, comme il peut y avoir, pas ici, dans le monde, quand on arrive, fin du Zman Horef.
Déjà, il y a eu un jour, j'étais étonné d'entendre ça, que déjà depuis Rosh Chodesh, Elul Aleph, les Rashi Yeshivot, ils ont crié sur le fait que c'est pas la fin du Zman. Ça fait 2 mois avant la fin du Zman, déjà, dans l'esprit des gens, il y a la fin. Ça y est, on a fini. Bientôt Ben Azmanim, ça y est. On n'a plus de force à la fin. Kadosh Baruch Hu, il a mis cette lumière-là de Purim à la fin. À la fin de l'année, qui symbolise la fin des forces, la fin de la vie, kavirol. La fin, c'est toujours. Non, ma pitom, hasushana. Tachot, on est devenu nouveau à Purim. On est mitachim à Purim. D'ailleurs, c'est pour ça que Purim, le mois de Hadar, c'est quoi le mazal? Mazal, comment on dit? Le signe du mois de Hadar, vous savez ou pas? Hein? Poisson, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les poissons? Poisson pluriel? Qu'est-ce qu'il y a dans les spécial dans les poissons? C'est quoi la particularité du poisson? Vous savez pas? Gmara dans Ktubot. Gmara, qu'est-ce que dit la Gmara? Pourquoi on se marie le mercredi soir? Dans la Gmara, pourquoi on se marie? Dans la Gmara, on se marie le mercredi soir. D'accord? Betula Niset, Léon, Réveri. Pourquoi mercredi soir? Parce que jeudi, c'est la bracha du poisson. Comme ça c'est. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le poisson? Pourquoi elle se marie mercredi soir la Kala? Parce que jeudi. Mercredi soir, ça veut dire c'est jeudi. Parce que jeudi, à Kadosh Baruch Hu, il a donné la bracha au poisson. Laquelle bracha il a donné? Hein? Pérour vous! Les poissons, c'est les seuls animaux qui peuvent amener, je ne connais pas les chiffres, mais ils amènent des centaines, un poisson, et il fait sortir des centaines de milliers, peut-être plus, de poissons. Les autres poissons, vous connaissez, la dame Ruth. Combien il y a de petites boules dans la dame Ruth? Nous, les Tunisiens, vous avez compté? Non? Dans 1 kilo. Non, pas une paire, ils appellent ça, une paire. 200 grammes. Et combien de petites boules dedans? Hein? Et après, tu ne peux pas compter. Tout ça, chaque petite boule, c'est un poisson. Il y a des millions, je ne sais pas combien il y en a dedans. Tout ça, ça sort d'un poisson. Un poisson. Compte combien d'enfants il amène un poisson, c'est pas des jumeaux, c'est pas des triplés, c'est pas des sans fin. Un poisson, il amène tout ça. Tu sais combien de baleines il y a à nourrir dans le... il faut faire beaucoup de poissons. Il y a des pêcheurs, il y a des baleines, et toujours il y a des poissons. Je te barre chez moi. La reine, le mois de Hadar, c'est le Mazal Dagim. C'est Priya Veri, bien, c'est Leit Hatshut. Encore des nouveaux, et des nouveaux, et des nouveaux, et des nouveaux, Leit Hatshut. Pour finir, on a lu dans l'équilibre du Mishkan, il y a le Aaron. Le Aaron, c'est le kli le plus important. Le Aaron, c'est dedans il y a les Luchot Abrit, il y a le Sefer Torah qu'a écrit Moshe à côté. Il y en a qui disent dedans, il y en a qui disent qu'il était à côté. Aaron à Kodesh! De quoi, quand on voit le Aaron, il est fait de quoi l'Aaron? D'or! Tu vois du bois, toi? T'as déjà vu un haron en bois? Dedans, tu ouvres le haron, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or. Tu vois à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or. Il est couleur. C'est pas plaqué or. C'est la même épaisseur. Donc il y a combien d'or par rapport au bois? Combien? 66%. Haron? 66,6. Puisque c'est 2/3 d'or et 1/3 de bois. Donc le Aaron, il est fait en or. Et comment il s'appelle? Aaron Atse Shittim. Il s'appelle le Aaron de bois. Pourquoi tu l'appelles le Aaron de bois? Le bois, c'est juste le milouï. C'est ce qu'on a fourré à l'intérieur. C'est du bois. Mais le Aaron, il est fait en or. 66% d'or. Pourquoi tu l'appelles Aaron Atse Shittim? Aaron Zahav. D'ailleurs, ailleurs, il est oui appelé Aaron Zahav. Dans la Torah, il n'est pas appelé Aaron Zahav. Aaron Atim. Pourquoi Aaron Atim? Car il y a une grande différence entre l'arbre, entre le végétal et l'or, le minéral. Le minéral disparaît. Il s'use. Une fois qu'il s'est usé, il n'existe plus. Un rocher, une fois qu'il a été usé, il peut disparaître. Un arbre, tu peux le couper 1000 fois. Il repousse. Il repousse. Dans le Aaron, qu'est-ce qu'il y a? La Torah. La Torah, c'est le corps de l'Eitrachut.
La reine, le Aaron, il est fait mi'atim. C'est un peu étonnant, parce que le Aaron, c'est le clé le plus cher, le plus important. Tu mets du bois là-bas? Jamais, j'ai compris ça. Pourquoi il y a du bois? Pourquoi il y a du bois dans le Aaron? Pourquoi du bois? Du bois, c'est la matière la plus simple. Pourquoi du bois? T'es cool au zav. Tu fais trois couches de zav ou un grand bloc de zav. Tout en or. Tout en or. C'est le clé le plus important qui est au cœur de tout Am Israël, c'est le Aaron, HaKodesh. Dessus, il y a les kérouvim, là-bas, ils sont, le col d'Hachem, il sort de là-bas. Pourquoi tu mets du bois dedans? La réponse, elle est parce que le bois, il est quelque part beaucoup plus important que l'or. Le bois, il vit. Il est mitradesh. Il n'y a pas de fin. Et la Torah, elle est comme ça aussi. Kula hidushim, toute la Torah que nous sommes hidushim. La reine, pour conclure. La simcha, elle est enracinée profondément dans le chidush. Même superficiellement, si on analyse notre simcha, même les simchot, les smachot les plus simples, elles sont enracinées dans le chidush. Et quand on approfondit, elles sont enracinées dans la source du chidush. Et la source du chidush, c'est la Torah Kedosha. La reine, pour se préparer à Purim, il faut savoir comment s'attacher à la source de la simcha. On n'a pas de l'équilibre, vraiment. Nous, malheureusement, on n'est pas encore au niveau d'avoir de la simcha qui provient de la Torah. On n'a pas ce niveau-là encore. On n'a pas ce niveau-là. On étudie Baruch HaShem, on s'efforce d'étudier. Parfois, on a beaucoup de simcha. Quand il y a un chidouche dans le... je ne sais pas si vous savez, ou vous avez senti, ou je ne sais pas, mais vous pouvez comparer toutes les smachot de la vie, et une simcha dans une sugya, une fois comme il faut... C'est incomparable. C'est incomparable. La simcha que procure une sugya, elle peut pas être trouvée nulle part dans la vie. Nulle part dans la vie. La vraie simcha dans notre vie, dans l'Olam Hazeh, la vraie, elle est dans la Torah. Il n'y a que celui qui a essayé, qui a vérifié. Vérifiez, vous allez voir. Étudiez encore quelques années, ou même déjà peut-être maintenant, vous allez voir. Aucune simcha ne peut être procurée à l'homme dans cette intensité comme la simcha de la Torah. Rien au monde. Même tous les exemples que j'ai dit, le païs, comment c'est le païs, le loto, et le garçon, et tout ce qu'on peut amener comme exemple au monde. Eh bien, ça donne beaucoup de simcha. Comparé à la Torah, incomparable. Allez, essaye. Tu veux donc. Et tu dis 6 heures d'affilée comme ça, sans bouger. Bikdusha, betara, zéo, va au mikvé avant. Tu t'envoles. Disparaît. L'anishama, elle sort tellement qu'il y a de la simra, elle sort. C'est là la Torah Kedusha. Mais la reine Rabotai, on arrive à Purim. Il faut se préparer à Purim. Que Has Veshalom, notre simra du mois de Hadar, elle ne provienne pas juste des musiques qu'on va entendre, qui sont très réjouissantes. Et les paroles de Ade Adeloyada. 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 Il est content. Ateloyada, badai. C'est qu'un moyen pour arriver à la simcha pnimit. Karapurim, hado, vekibloua, besimcha. La Torah, elle a été reçue, behar sinai, bekfia. Bekfia, c'est-à-dire avec. On a été forcé. Kafalem, harke gigit, il nous a mis la montagne sous la montagne. Sinon, là-bas, vous chantez que vous raterez. Bon, c'est matin de Torah un peu forcé. Aval, bimé, mordechai, on a reçu à nouveau la Torah, besimcha. Vous voyez, la Torah, besimcha. La simcha, elle vient de la Torah. Alors nous aussi, quand on va se préparer à Purim, on va se préparer dans ce sens-là. Que notre simcha, même si on ne le sent pas maintenant, on va demander à Hashem Yitbarach, qu'on sente la vraie simcha, qu'on se prépare à Azimales Hokpinu. Azimales Hokpinu, qu'on se réjouisse, Bémet, de ce qu'il faut se réjouir dans ce monde. Bezrat Hashem, pour qu'avec ça, on se réjouisse dans la vraie simcha dans l'Olam Haba. Celui qui se réjouit dans ce monde d'une bonne bouteille de whisky, qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Haba? Il n'y a pas de whisky. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui se réjouit comme ça d'une bonne musique, qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Haba? Il n'y a pas tout ça là-bas. Qui c'est les chanteurs? Chouiki, il m'a sorti. Il est dans l'Olam Haba. Il ratonne qu'il soit parmi les gens du l'Olam Haba. Il ratonne.
mais qui chante dans ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que non, je peux te dire d'avance. Oulai, quoi, il ressort, oulai. Ça, c'est sûr que non. Ça, je te dis. Qu'est-ce qui te procure de la simra dans l'or namazé ? Que ce ne soit pas des choses qui se trouveront sûrement pas dans l'or namazé. La boisson, les jeux, les... Il n'y aura pas, tout le monde est d'accord, il n'y aura pas ça dans l'Olam. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Olam Abba ? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Tosfot, Ri, Amari, Omeri, Rabbeinu Yitzhak, Bala Tosafot, Rabbeinu Tam, il y aura. Rabbeinu Tam, il y aura Rashi. Ça, ce qu'il y aura dans l'Olam Abba. À part ça, il n'y a rien. Celui qui arrive, Bezrat Hashem, à sortir sa simcha, de Rabbeinu Tam, de Rashi, d'Abaye, de Rava, de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir. Celui qui sort sa simcha dans l'or namazé d'ici, azima les rokpinu. Ça, c'est la vraie simcha. Et si on ne le sent pas aujourd'hui, il faut y aspirer. Et Pourim, c'est la source de ce bonheur-là que chaque Yehudi peut atteindre. Pourim, Kol ha-pochet yad notnim lo. Pourim, il faut réussir Bezrat Hashem en se préparant à ça. On ne peut pas débarquer dans Pourim. En se préparant dès maintenant à vouloir atteindre un niveau de simcha à sa source. Pure. Mais kdusha v'tahara. Et supplie Hashem à travers le loyada, et à travers les musiques, et à travers le nez rouge et les perruques. À travers tout ça, à travers cette simcha-là extérieure, mais de ne pas rater le but qui est la simcha intérieure. La vraie simcha qui provient de la Torah Kedusha, qui va nous donner des courantes de se lever le matin comme des lions, pour aller courir étudier la Torah. Courir! Besimcha! Sans que personne nous court derrière. Tout seul! C'est koulomale simcha. Tout ça, on peut attendre un pourri, en cas de pourri, il peut nous donner. Aval, pour ça, il faut se préparer dès maintenant. Rentrer dans cette avira-là du mois de Hadar Bet, qui est un mois très très kadosh. Le Mazal d'Israël, il est très haut. Ben, 15 mars, c'est en plein Hadar Bet. Chavod, Hezbollah, qui vous voulez. Chavod. Ben, le Mazal d'Israël, il est Elion. Il n'y a rien à craindre. Kadosh Boukou, il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.